du Liège au Bouchon. L'actualité du musée du Liège et du Bouchon à Mézenc. J'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Sophie Ponson, médiatrice culturelle au musée du Liège et du Bouchon à Mézenc. Bonjour Sophie. Bonjour Katia. Alors présentez-nous en quelques mots le musée du Liège et du Bouchon. Alors le musée du Liège et du Bouchon est à Mézenc, en Lot-et-Garonne. Il conserve une collection d'outils et de machines qui ont servi à fabriquer des bouchons de liège à Mézenc entre le début du 19e siècle et les années 50. Alors le musée est ouvert presque toute l'année? Oui, alors le musée du Liège accueille un public très varié, depuis les crèches jusqu'au lycée, jusqu'au public de tous âges, jusqu'au public handicapé. Et nous sommes ouverts, il y a un accueil, une permanence à l'accueil entre le 1er avril et le 31 octobre. Et là, nous sommes en période de fermeture de cet accueil, mais nous restons quand même disponibles pour accueillir les groupes sur réservation, que ce soit des groupes scolaires, des groupes d'adultes, voilà. Même s'il y a juste quelques visiteurs, prévenez-nous et on fera en sorte de vous ouvrir le musée à l'heure que vous voulez. Donc il est conseillé d'appeler avant pour être sûr que vous serez là pour accueillir les personnes intéressées. Hein. Voilà, cette saison, il vaut mieux. Voilà. Alors le musée du Liège et du Bouchon propose tout au long de l'année différentes animations. Nous avons eu l'occasion d'en parler tout au long de cette année. Pour terminer, je dirais en beauté l'année 2014, vous avez mis en place pour spécialement la période de Noël un atelier. Parlez-nous de cet atelier. Alors c'est un atelier que j'avais déjà fait l'an dernier, qui avait eu du succès. Ça s'appelle Récup Bouchon spécial Noël. Alors les ateliers Récup Bouchon, ce qui signifie récupérer vos bouchons, se sont déroulés plusieurs fois dans l'année 2014 et avec des thématiques très variées comme les panneaux d'affichage, les luminaires. Et donc là, c'est spécialement sur la période de Noël. Donc on fabrique des décors et des objets sur le thème de Noël à partir de la récupération de bouchons de liège que le grand public a collecté et que le musée du Liège collecte toute l'année. Et c'est un atelier qui est réalisable pour le grand public, que ce soit des enfants à partir de 4-5 ans ou bien des adultes. Ils viennent au musée du Liège avec leurs bouchons de liège qu'ils ont collectés. Mais s'ils n'en ont pas collecté, c'est pas grave non plus parce qu'on en a. Et ensuite, on met à disposition du matériel pour fabriquer ces objets. Et moi, je suis là pour guider le public dans la fabrication de ces objets avec de la colle, de la peinture, des rubans, voilà, tout est possible. Alors, il est bien important de préciser qu'il ne faut amener que des bouchons de liège, hein, c'est le principe, hein, de toute façon. Ah oui, hein, au musée du liège et du bouchon, on ne parle que du bouchon de liège. Oui. Voilà. Alors si, bien sûr, vous l'avez dit, les personnes n'ont pas la possibilité ou n'ont pas pensé à récupérer des bouchons, bien sûr, il y aura déjà un stock à la disposition des participants sur place. Sans problème. Voilà. Vous pouvez nous dire éventuellement une ou deux idées, par exemple, d'objets qui pourraient être réalisés, un objet pour les enfants et un objet pour les adultes? Oui, alors pour les enfants, on peut faire des petits bougeoirs qui sont en fait fabriqués avec des petits photophores et des bouchons. Donc on peut créer des jeux de lumière en superposant les bouchons les uns sur les autres, en faisant comme un petit photophore en fait. Et pour les adultes, on peut faire des choses plus grosses, donc des sapins, des gros sapins pour décorer la table.
On peut faire aussi des bougeoirs, mais en beaucoup plus gros. Ou bien encore, pour les enfants, on peut faire des sujets à suspendre dans l'arbre de Noël, donc des petits anges, des petits reines, des petits Pères Noël. Voilà, les possibilités sont vraiment infinies. Donc quelques idées comme ça, et peut-être aussi les participants auront eux-mêmes quelques idées pour compléter donc réalisation de ces objets. Donc voilà pour cet atelier Récup Bouchon. Cet atelier, pour y participer, il y a peut-être un tarif ? Oui, c'est 3 euros par personne. Et ensuite, je préférerais que les personnes se réservent leur place parce que j'ai pas du matériel pour 30 personnes, donc il vaut mieux réserver sa place. Et puis c'est toujours mieux pour faire un atelier de création quand on est peu nombreux que quand on est trop nombreux. Donc, réservez alors au numéro du musée au 05 53 65 68 16. Combien de temps va durer à peu près cet atelier ? Ça dure 2 heures. 2 heures, donc ça se passera le mardi 23 décembre à partir de 14h30. Hein. Sophie Bonson, merci beaucoup et on vous dit à bientôt. Je rappelle que vous êtes la médiatrice culturelle au musée du Liège et du Bouchon à Mézin. Au revoir Sophie. Merci beaucoup, au revoir. Retrouvez le musée du Liège et du Bouchon sur le site internet de la ville de Mézin, www.ville-mezin.fr et téléphone 05 53 65 68 16.